Shalom, bracha, que le bon Dieu vous protège. Je sais que vous êtes tous excités de savoir la suite du prisonnier Martin. Alors, il était devant moi le prisonnier qui est devenu libre après 15 ans de prison. Et le pauvre, il vivait avec le passé. Il a oublié même l'argent. D'ailleurs, même l'argent, lorsque... Bon, il a été arrêté parce qu'il a fait un hold-up. Alors, même là où il a dû cacher son argent, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus. Vraiment, il voulait rendre cet argent, mais il ne se rappelle plus. Pour vous dire que la solitude, elle l'a rendu fou. C'était dur pour moi de l'aider. Il a fallu, avec l'aide d'Hachem, que j'ai une idée. J'ai dit, Martin, Martin, tout de suite, il regarde. Martin! Il commence à... Martin! Il regarde, il s'est levé. Martin! Je lui dis, Martin, mais Martin n'est pas là. Mais vous avez dit, Martin, mais tu vois bien qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Eh bien, je lui dis, mon fils, non seulement il n'est pas là, jamais il sera là. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Alors, j'ai commencé à lui raconter l'histoire du Yosef HaTzadik. C'est ça la thérapie. C'est un juif, je lui parle de la Bible. Il était, à un moment donné, au départ, il ne voulait pas écouter. J'ai pris mon temps avec lui, j'ai commencé à lui raconter l'histoire de Youssef HaTzadik, comment il a vécu dans la prison. Et je lui ai raconté comment ses frères l'ont vendu, comment ils étaient cruels avec lui. Ils l'ont jeté dans un puits. Mais il a tenu bon. Il avait la émouna en Dieu. Il aurait pu devenir fou. Il aurait pu paniquer. Il aurait dû avoir une dépression. Et un homme déprimé, c'est la mort. Mais lui, il avait confiance en Dieu. Il priait. Son seul soutien, c'est Dieu. On a un problème, Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez un problème. Vous voyez, il n'y a pas de solution. Pourquoi des fois, il y a des solutions, mais on n'a pas les moyens pour trouver cette solution. Il y a beaucoup de, y a pas un problème sans solution. Mais parfois, on n'a pas les moyens. Par exemple, parfois, pour trouver une solution, il faut l'argent, il n'y a pas d'argent. Parfois, il faut les connaissances, il n'y a pas de connaissances. Alors, on reste avec le problème. Non, il y a Dieu. Et Akash Baruch, il a des solutions. Toi, tu n'as pas, lui, il a. Il faut avoir, alors, il faut avoir confiance en lui. Il faut être connecté à lui. Et à un moment donné, je passe à l'histoire de la sortie de l'Égypte. Comment les Juifs, ils étaient esclaves à Pharaon et tout ce qu'ils ont souffert. Ça m'a pris 3 quarts d'heure avec lui. Il était intéressé. Et j'ai proposé une proposition. Je lui ai dit, la semaine prochaine, tu veux venir, je lui dis la suite. Il regarde sa mère, il fait un sourire, jusqu'à que sa mère lui dit, mon fils, ça fait longtemps que tu n'as pas souri. Eh bien, il dit à sa mère, c'est une histoire intéressante. Je lui ai dit, mon fils, avant que tu quittes mon bureau, sache que Martin, il n'existe pas. Sache que la prison et les cellules et garde à vous, tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il avait dans sa poche, il avait un morceau de tissu. Je sais quoi ça? Il m'a dit, ça, c'est un morceau de tissu de la chemise avec laquelle je suis rentré en prison. Je l'ai gardé en souvenir. Je dis ça, tu ne vas pas la garder. Tu vas la jeter, parce que ce morceau de chemise-là, il va te rappeler le passé et tu vas continuer à vivre avec le passé. Non. Par contre, je vais te donner un livre de Tehillim. Je me lève, je prends un livre de Tehillim. Je dis ça, c'est ton passeport. Ça, c'est ta libération. Mais toi, tu penses à ta liberté. C'est vrai? Tu peux toujours penser au passé, mais toujours ajoute, merci Hachem, que ce passé n'existe plus. C'était que un rêve. Allez, prends.
Il a pris. La semaine d'après, Baruch HaShem, on a discuté. Baruch HaShem est devenu normal. Mes amis, Martin n'existe pas. Vous avez compris? Beaucoup des fois, on se souvient, on vit avec le passé, un mauvais passé. Il faut changer. Et les bénis Israël, comment ils ont laissé le mauvais passé derrière eux? Ils ont chanté Azashir Moshe. Il y avait un moment de tristesse, la solitude, l'esclavage, un mauvais passé de 400 ans. Hachem, il leur a fait une thérapie pendant un an. Il leur a montré que maintenant, ils sont des gens libres pendant un an. Il ne les a pas libérés tout de suite. Qu'est-ce qu'il va libérer? Il va les libérer des sauvages. Non. Jusqu'à ce qu'il les a rendus des êtres humains normaux pendant un an. Là, ils ont commencé à récupérer les forces, la émouna, la foi en Dieu. Et là, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient des gens normaux. Ils ont pris avec eux de l'Égypte quoi? Un seul souvenir qu'ils doivent se souvenir, souvenir à vie. Rappelez-vous ce que j'ai fait aux Égyptiens. Rappelez-vous comment je vous ai libéré. Rappelez-vous qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vos patrons, le pharaon, et ce que je lui ai fait. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Azashir Moshe. Vous avez compris? Pourquoi on chante Azashir, un chant? Eh bien, le chant, c'est pour enlever le mauvais souvenir. C'est vrai, on se souvient du mauvais souvenir qu'on a passé en Égypte. Le bon Dieu nous a libérés. Et maintenant, on chante. C'est extraordinaire ce que je vous dis. C'est ça la vraie thérapie qu'il aura fait HM. Jusqu'à maintenant, tout le temps, on se souvient de ce que les Égyptiens nous ont fait, de la sortie de l'Égypte, mais toujours, on parle, on chante. Azashi Moshe, Shira Hadasha, merci. Voilà, l'exomile comprend. L'exomile comprend, après le souvenir de l'Égypte, c'est la joie, le chant. Mes amis, Martin est parti. À très bientôt, à demain. وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو.